qu'on a vu pendant la pandémie, qui j'espère se termine, c'est que le logement prenait une importance accrue dans la vie de nos concitoyens, puisque avec le développement du télétravail, on y passe plus de temps. Donc c'est un enjeu essentiel. On a vu autre chose. Ce qu'on a vu depuis les municipales, c'est une baisse du rythme de construction des logements sociaux, puisque pour des raisons diverses, les maires construisent moins. Et ça, ça nous pose un problème. Nous devons, dans notre pays, construire au moins 100 000 logements par an pour faire face aux nouveaux modes de vie, aux mouvements de population, aux familles monoparentales qui ont besoin de logements. Et donc, c'est très important qu'on reprenne un rythme favorable de construction, des constructions qui, naturellement, doivent être des constructions écologiques, durables, des constructions de la ville sur la ville pour lutter contre l'artificialisation des sols. Et la Caisse des dépôts, au travers de la Banque des territoires, sommes le premier financeur de la construction et de la rénovation du logement social. Et nous avons la liberté, la possibilité de mettre à disposition des bailleurs sociaux les financements qui leur permettront de lancer ces programmes. Chaque année, le congrès de l'Union sociale de l'habitat, le congrès HLM, c'est un moment qui pour moi me fait penser à une réunion de famille. On est tous associés à un projet commun qui est de protéger, de développer le logement social dans notre pays. C'est extrêmement important. Un Français sur cinq y habite. Et les thèmes de cette année, construire, inclure, penser l'avenir, c'est exactement les sujets sur lesquels nous devons partager nos idées. Je crois beaucoup en l'intelligence collective et avec tous les acteurs qui seront réunis sur place, je suis certain qu'on va pouvoir faire avancer la cause.